C'est l'heure du unboxing de cette petite boîte rose. Ça vient de Caramel Rose de ma girl Elsa. Oui, ça sent bon! Oh mon dieu, ça sent le chocolat! Elle m'a fait une petite lettre. Merci pour la belle petite lettre. Le premier produit que je vois, c'est cette petite barre qui ressemble à une barre de chocolat. C'est des savons dans le fond et des produits pour le corps. Ça sent tellement bon, j'ai envie de croquer dedans. Il y a une petite voiture ici. Ça me rappelle une odeur quand j'étais petite, genre prom prom, puis il y a des petits glitters. Ah, ça j'avais full hâte de les essayer parce que c'est genre ces petits lip gloss fraîche pète là qu'elle appelle. Cute! Oh, je m'en suis mis un peu sur la main puis que l'un est en train de le licher. Ça c'est un beurre fouetté choco brun glitters. Oh mon dieu, ça aussi j'ai envie de faire juste... Ça sent là... Ah, ça sent tellement bon! Check it out! Ah! Il mange! Non, faut peut-être pas le manger! Ça se mange-tu? Ah, la texture est intense aussi, là. My god! Ok, vous comprenez même pas. Cette senteur, c'est genre la chose la plus merveilleuse au monde. Comme si je m'étendais du glaçage sur le corps, mais sans être collante. Genre, c'est comme un rêve qui devient réalité. Fuck! Ça, j'en veux mille! J'en veux mille! Petit coco, je l'ai pogné en train de licher tes affaires, là. Hey! On mange pas ça! On mange pas ça, je sais pas si ça se mange. Je crois pas que ce soit des ingrédients très très dangereux, hein, parce que Elsa met des affaires juste bon pour la santé. Je pense que tu peux lécher ça. Oh oui, ça sent bon pis ça goûte bon, hein, mon coco! Oh là là! Killer, il arrête pas de licher les affaires! Qu'est-ce que c'est? C'est un beurre fouetté choco blanc guimauve. C'est tellement mes senteurs, ça! C'est sûr que... Je me pisse dessus, genre tellement j'étais excitée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un glaçage de... genre de gâteau carotte, là. La texture est très très cool. Oh, je vois une autre affaire, je pense. Oui! Est-ce que c'est l'exfoliant? Oh ouais! C'est l'exfoliant pour les lèvres. L'exfo-lèvres fouettées fraises et bananes. Ça se présente dans un petit pot, genre style confiture. C'est chier de faire ça de même devant la caméra. Ok, je sais pas si ça existe, genre un exfoliant à cette saveur-là, là. Il faut que ça existe, si ça n'existe pas, genre ça va devenir mon produit préféré. Genre je me roulerais dedans, là, pis la texture est tellement haute, là. Je vais mettre les liens vers sa boutique Etsy en barre. Mon dieu, faut pas que j'échappe ça. En barre de description, allez la suivre sur Instagram. C'est vraiment une fille qui, je la trouve full inspirante. J'aime full sa vibe, son énergie. Je me rappelle même pas comment je suis tombée sur cette fille-là sur Instagram. Tu sais, je la connais pas, mais c'est comme si on dirait que je la connaissais déjà. Je la trouve ben hot. Allez la suivre. Pour vrai, vous allez tomber en amour avec cette personne. Et un gros merci encore pour toutes ces affaires-là. C'est sûr que ça va faire partie de ma routine à partir de genre maintenant. Pis ça, on peut-tu se marier avec un objet, genre? Ça se fait-tu? Ok, bye!